Ce jeudi débute à Clermont-Ferrand les finales nationales des Olympiades et des métiers. Trois jours durant, plus de 800 jeunes vont s'affronter sur des épreuves professionnelles dans 50 métiers, de la cuisine au bâtiment. 39 candidats bretons vont affûter leur savoir-faire pour faire briller leur métier, avec comme objectif une place pour les finales internationales en Allemagne en juillet 2013. Parmi eux, Anthony Marteil, élève en horticulture au lycée professionnel du Méné à Merdrignac. Reportage de Gilles Luquet. Anthony est élève en terminale production horticole au lycée du Menet et il est surtout le meilleur élève breton dans sa catégorie. Il a en effet remporté la finale régionale des Olympiades des métiers qui s'est déroulée en février dernier. Il disputera la finale nationale à partir de jeudi à Clermont-Ferrand et il ne compte pas y faire de la figuration. J'espère un podium, mais bon, on est 14 maintenant en national. Donc c'est vrai que là maintenant ça va être un niveau beaucoup plus élevé. Je serai sans doute le plus jeune. À 17 ans, Anthony n'a pas l'expérience de la plupart de ses concurrents. Il devra s'appuyer sur d'autres qualités. Anthony, c'est un jeune qui a vraiment du sens pratique. C'est un débrouillard dans l'âme. Donc en fait, sur l'organisation des chantiers, il trouve toujours des solutions. Et je crois que c'est sa grande force. Et c'est ce qui fait qu'au niveau des stages, par exemple, ou au niveau des travaux pratiques, ça se passe toujours très très bien. Je pense avoir les compétences et les qualités pour pouvoir rivaliser avec d'autres concurrents en national. Donc c'est vrai que pour moi, là, ça devient un enjeu important. Maintenant, j'aime ça, j'aime le concours et c'est vrai que j'ai envie d'aller loin maintenant avec l'équipe de Bretagne. Trois jours de compétition, 8 épreuves, voilà ce qui attend Anthony. Rempotage, fertilisation, connaissance des variétés de plantes sont quelques-unes des épreuves au programme de la finale. Il s'attend aussi à un exercice de semis. Il faut mettre du terreau comme ça. Une terre de notation, il faut que le terreau soit assez tassé. Et légèrement bombé pour que l'eau ne reste pas au milieu, pour qu'elle s'écoule bien dans toute la terrine. Anthony sera le premier représentant du lycée du Menet dans une finale nationale des Olympiades des métiers et l'établissement n'en est pas peu fier. On est ravis pour lui, on est ravis pour nous. C'est important de faire connaître les métiers de l'horticulture, bien sûr, d'une part. C'est important de faire connaître notre établissement. Et puis, c'est une très belle reconnaissance pour le travail de nos enseignants. Donc, on est vraiment fiers pour tout le monde. Donc, on espère vraiment qu'il va réussir à ces Olympiades nationales. Quel que soit son résultat, Anthony aura beaucoup appris à l'issue de ce concours. Après le bac, il espère enchaîner avec un BTS technico-commercial pour ensuite travailler dans la production de légumes bio. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous demain pour d'autres infos en Côte d'Armor. À demain.